Je m'appelle Mélissa Bounois, je suis la cofondatrice de Louis Média et je m'occupe de superviser toute la production. Je m'occupe plus particulièrement des programmes de Louis Média, des podcasts que vous pouvez écouter et de tous ceux qu'on va développer dans le futur. Louis Média, c'est un studio de production de podcasts et on est à la fois un média qui a 10 podcasts à ce jour, des podcasts qui, nous, en tant que journalistes, qu'on a voulu développer pour expliquer le monde, mais en faisant ressentir des émotions. Notre ligne éditoriale, c'est ressentir le monde. Et donc, vous allez avoir le podcast Émotion, qui est assez clair sur son nom de ce qu'il fait, mais aussi Travail en cours, pour parler des bouleversements du monde du travail, Injustice, pour parler des injustices structurelles, Entre, qui donne la parole à des enfants pour faire entendre aussi ses voix différentes. Et à côté de cette activité de médias, on a une partie agence où on va produire des podcasts pour d'autres, les autres pouvant être des médias, des institutions, des associations et des marques. Les prochains défis pour Louis Média, ça va être de continuer à repousser les limites de la créativité en audio. On va lancer des prochains podcasts dans les semaines à venir. Et ensuite, c'est peut-être toucher des nouveaux publics, parce qu'il y a un tiers des Français aujourd'hui qui écoutent des podcasts, mais finalement, il y a pas mal de gens qui connaissent pas forcément nos podcasts chez Louis Média et qui pourraient être hyper intéressés par ces podcasts-là. Donc c'est travailler sur effectivement aller trouver cette nouvelle audience qui pourrait être intéressée. Et ensuite, pour la partie Louis Créative, c'est essayer justement avec les médias, les institutions, les marques avec lesquelles on travaille, de leur apprendre aussi à comprendre que être créatif en audio, ça a vraiment plein de vertus et que les gens qui écoutent des podcasts sont souvent des gens très très engagés. Et donc on a envie, je pense, d'essayer aussi d'être hyper créatif de ce côté-là. Quand on recrute chez Louis Média, on aime souvent les personnes qui vont être curieuses, qui ont envie d'apprendre plein de choses, les personnes qui ont envie de travailler en équipe, les personnes aussi très enthousiastes, parce qu'on est beaucoup de personnes très enthousiastes dans l'équipe. Et puis après, c'est aussi, je pense, qu'on cherche des gens qui ont envie d'intégrer une équipe qui se construit, qui continue à se développer dans une entreprise, qui continue à explorer des nouveaux formats et du coup qui est une boîte de production audiovisuelle mais qui fait du podcast et donc c'est un milieu un peu spécifique et je pense que ça peut être hyper intéressant de comprendre les coulisses mais il faut aussi avoir envie de participer à un projet qui évolue.